Bonjour à tous. Oui, c'est moi, le comte de Chicalore. Vous ne trouvez pas que Chicalore est un endroit fantastique? Il y a tellement de choses merveilleuses à voir. Mais je me demande jusqu'à quel point vous êtes attentifs. Vous regardez bien les images, j'espère, parce que je vais vous poser deux questions pour vérifier. Stephen est en train d'être attelé à une longue file de wagons remplis de pierres. Oh là là! Ce train m'a l'air d'être beaucoup trop lourd pour toi, Stephen. On va enlever quelques wagons. Je me demande combien il peut en emmener. Ah, voilà, comme ça le train est plus léger. Maintenant, tu peux avancer. Vous êtes prêts pour la première question? Combien de wagons remplis de pierres Stephen a-t-il réussi à tracter? Un seul wagon? Deux wagons? Ou bien trois wagons? Stephen est parti avec un seul wagon. Il n'a pas pu en prendre plus. Si vous voulez mon avis, il n'est pas fait pour ce genre de travail. Il vaut mieux continuer à lui confier des wagons remplis de passagers. Bravo! C'est très bien! Et maintenant, une autre. Oh! Kevin est tombé dans la mer. Heureusement, Cranky est là pour le repêcher avec son crochet. Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a sur le visage de Kevin? Il lui pince le nez! Comment s'appelle la créature qui se trouve sur le nez de Kevin? S'agit-il d'un poisson? S'agit-il d'un crabe? Ou bien s'agit-il d'une étoile de mer? C'est un crabe qui se trouve sur le nez de Kevin. Et le gros contrôleur est ravi de voir que Cranky et Kevin ont décidé d'unir leurs forces pour faire un petit ménage sur les quais. Vous êtes des champions. Surtout, revenez me voir bientôt. Au revoir.